Coucou, je voulais vous montrer les quelques peintures acryliques en spray que j'ai fait, du blanc, du noir évidemment, du rose, un beau rose. Il était moucheté par le rouge. Le rouge, un beau rouge. Du saumon, un beau saumon, un beau bleu. Moi j'ai pas encore mis de billes dedans, mais en laissant courir régulièrement, ça le fait. On n'est pas assez secoué celui-là. Du violet, un beau violet, bien foncé. Un parme. De l'or et de l'argent. Un peu là. Voilà. Et voilà. C'est tout ce que j'ai pu faire. C'est tout ce que j'avais en spray. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord et il y en a déjà pas mal. J'ai fait avec les vieilles acryliques qui me restaient, celles qui étaient encore potables. Et ça pèse lourd, ça pèse très lourd. Donc j'ai déjà fait une carte qui va être par là. Je sais pas si je vais l'attraper. Non. J'ai fait des shakers liquides et le liquide il a tout bavouillé. J'ai fait des shakers normaux. J'ai fait un petit marque-tapage avec embellissement. Des petits shakers normaux. Avec les papillons. Papillons. Qu'est-ce que j'ai tout mis? Ah bah je l'ai trouvé. La carte. Sur le printemps. Avec des embellissements. Elle est un peu tordue, la pauvre. J'ai tout fait au tire-ligne et au pinceau. Donc, voilà. Et après, j'ai doré à la main. J'ai mis des papillons que j'avais acheté à York Action. Voilà. J'ai pas voulu mettre de dentelle pour pas mettre d'épaisseur. Voilà. Ce que je me suis amusée à faire ces temps-ci, entre deux pauses des tests, redis tests. Allez, bonne virée, celle-là. J'ai ici sorti celui-là, il me plaît bien. Malgré qu'il y ait eu un smirk, il y a eu un blême. Il y a une ligne là. Vous voyez? Il y a eu un petit blême. Donc, comme je ne peux pas envoyer de colis, déjà que je n'arrive pas à envoyer les lettres. Bah, je me suis dit, je vais faire ça pour moi. Celui-là, il est pas mal réussi, par contre. Nickel. La trace est cachée par la frise de papillons. On a bien les papillons qui bougent.
jusqu'au bout. Voilà. Mais il est corné là. J'ai oublié de mettre un ruban. Je mettrai un ruban. Par contre, avec ceux-là, là, c'est plus difficile. Ils sont coincés. Ils sont coincés. Faut bien bouger pour arriver à quelque chose. J'ai pas mis de frise, donc là, le trait se voit bien. Voilà, les petites avancées, les tests. J'ai fait des cahiers comme ça. Là, c'est le premier que j'ai bien fait, que j'ai bien agrafé. J'ai trouvé un autre système que les brats. J'ai mis un bout de canson. J'ai un peu plus long que le niveau du trou. Voilà, ça bloque les nœuds. Et ça tient. Donc voilà. J'ai des surprises pour Maël. Et bah, je crois que pour le concours, ça va être tout juste. Tout juste, tout juste. J'espère que je vais pouvoir envoyer la lettre. C'est pas évident. Et sinon, si j'ai fait la page bleue, si ça se casse pas la figure, à chaque fois je mets tout en équilibre. Moi, j'ai eu un mal de chien à faire la page, cette page là avec le là. Avec la perforatrice qui veut pas perforer. Alors oui, qu'est-ce que je lui ai mis? WD-40. Il y a juste à faire ça. Hop, on prend... Excusez-moi, je tourne le... Parce que je vois pas sinon. Voilà, un coup de pchit. 2-3, ça dépend. Et puis après, normalement, ça se dégrippe, hein, même si elles sont vieilles, hein. Là, ça commence à aller mieux. Après, faut voir l'utilisation avec le papier, hein. On verra bien. À la prochaine page. Ouais, j'en ai encore une à faire. Après, c'est une double. En tout cas, ça sent fort. Hein. Ouh! Aéré. C'est ce que j'ai fait parce que, franchement, ça pue. Ah, puis en parlant de puer, c'était bien de la substance illicite qu'il fumait, hein, cette nuit. J'ai confirmation par mon infirmière. C'était pénible. Très pénible. Je me demandais où j'avais mis les feuilles. Ouais, très pénible. Mal à la tête. Là, j'en sors tout juste. De la migraine. Franchement, j'ai même pas pu aller sur mon fauteuil tellement ça puait. C'est passé par la ventilation. C'est remonté. J'ai pas activé la ventilation parce que au-dessus de chez moi, c'est une personne plus âgée. Donc j'ai ouvert. J'ai ouvert en pleine nuit. Bah, j'espère qu'ils vont pas recommencer
ça les prochains temps, parce que moi j'ai juste à descendre et puis je le dis au gardien, il est au rez-de-chaussée. Donc il sera prévenu. Et c'est clair que je l'ai senti tout de suite. Tout de suite. Et quand il y a des jeunes qui font les imbéciles comme ça, tout ça parce qu'ils sont sûrement pas bien. Ils sont disputés sérieusement, assez régulièrement. Des fois, on se demande pourquoi. On se demande pourquoi ça crie. Peut-être qu'ils sont trop, justement, trop serrés la vis, qu'ils soient tombés dans des problèmes comme ça. Bien souvent, c'est le cas. Alors, serrez pas trop la vis à vos enfants, ça sert à rien. J'aurais pas serré la vis, ils sont nickel. Pourtant, j'étais quand même sévère, hein. Et ils sont restés dans le droit chemin. Comme ce qu'on appelle le droit chemin. C'est vrai que j'ai laissé mes activités manuelles de côté pendant que je les élevais et que je travaillais. C'est vrai que le grand m'a beaucoup secondé. Beaucoup, beaucoup. Et bon, bah voilà quoi. Aujourd'hui, il se lance dans sa propre entreprise. Et ça, il doit être bien dans ce qu'il fait. C'est le principal. Bon, bah ce coup-ci, c'est la dernière vidéo de la journée. Hein. Parce que là, il n'y a plus de Karine. On va aller se reposer. On va aller boire un petit café. Bonne soirée les copines.